C'est à l'école primaire que Liran a vu un panda pour la première fois. Une expérience marquante. À l'âge adulte, il poursuit des études de vétérinaire qui l'amènent à travailler en 2007 sur la base de recherche pour la reproduction des pandas à Chengdu. Un travail exigeant. Les bébés pandas ont en effet besoin d'une attention constante. Liran les nourrit, joue avec eux. À un an, il ne faut pas se fier à leurs airs de nounours, ils sont déjà grands et forts. Entre-temps, une relation particulière s'est nouée entre le soigneur et ses protégés. Les soigneurs comme Liran sont au cœur du projet de reproduction des pandas mis en place par la Chine avec 6 pays européens. La Belgique, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche et la France. Liran commence par préparer les pandas à leur long transfert vers l'Europe. Il les accoutume au bruit pour qu'ils ressentent moins de stress le jour J. Mais il lui faut aussi travailler sur leur alimentation. Dans le cadre d'un échange avec la France, Liran a accompagné en 2012 un couple de pandas, Huan Huan et Yuan Zai, jusqu'au zoo au parc de Beauval. Le soigneur y est resté les 6 premiers mois de leur nouvelle vie, veillant sur eux comme un père, s'assurant de leur bonne santé et de leur adaptation au nouvel environnement. Liran n'est pas seul dans cette aventure. Ce programme avec les pays européens demande les efforts de toute une équipe et une préparation minutieuse qui commence par la sélection des couples de pandas. 首先是身体比较健康，另外就是，它的外貌外形上要比较漂亮。另外从那个遗传角度的话，他们那个要没有近亲关系，因为他们在国外一般都是长期活动，都是10年以上，所以说他们是要繁殖的。 Le suivi des pandas par les équipes chinoises est constant, avec de beaux succès. 6 bébés sont ainsi nés en Europe dans le cadre de ce projet, 3 en Espagne et 2 en Autriche. À Beauval, pas encore 2 bébés, mais le retour d'expérience de Liran permet d'espérer. Trésors nationaux de la Chine, chouchou du public dans les zoos européens, Liran peut être fier de ses efforts. Souhaitons que Huan Huan et Yuan Ze vivent heureux longtemps et qu'ils aient beaucoup de bébés pandas.